Normalement c'est bon. Bon, salut à tous. Faut que j'arrête de regarder là parce que vous êtes là, mais bref, ça on s'en fout. Bon, calculez pas le drap derrière. Ma chambre était pas rangée, j'avais la flemme. Voilà, on va faire simple. Cette vidéo sera juste pour vous expliquer le futur de cette chaîne. Enfin, le futur. Le futur, elle a même pas vraiment commencé. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de vidéos sur WordPress, créer des sites, HTML, tout ça. Enfin, quelques-unes. Et je me suis dit que bah, j'allais créer du contenu. Tout ça, ça va. Pff, là, en fait, je suis obligé de tout dire. Ok. Alors, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de monter une agence de création de sites et de gestion de campagnes publicitaires, du SMA pour ceux qui connaissent, de 0 à 1 million. Ok. Ce fameux. Ouais, je rentre dans le top. Bref. Ce million, il va me permettre de me sécuriser jusqu'à la retraite, intérêt, 5% par an. Voilà. Et ensuite, le fait d'avoir ce million qui me génère 5% par an, ça va me permettre de consacrer tout mon temps à créer un groupe de SaaS. Parce que faudra que je vous repartage une vidéo, je vais le faire de toute façon. C'est un extrait de vidéo d'une autre vidéo de quelqu'un d'autre, je vous mettrai l'arobase, qui explique que, en gros, en France, dans le CAC 40, il n'y a aucune valeur tech, aucune valeur. Enfin, je sais pas, vous prenez les États-Unis, dans le S&P, il y a énormément de boîtes où c'est que des grosses boîtes tech. Enfin, je sais pas tout de suite l'exemple, mais attends, on va regarder. On s'en fout, on est sur YouTube, c'est bon. On est retrouvé. Bon, je vais bouger le micro parce qu'en vrai, il me sert à rien. Là, j'enregistre avec mon iPhone. Aux États-Unis, on a dans le S&P 500 les plus grosses boîtes cotées, c'est des boîtes tech. Alors qu'en France, dans le CAC 40, il n'y en a aucune. Et moi, j'avais déjà cette idée en tête que bah, c'est l'avenir, mais on a l'impression qu'on n'y est pas encore. Aux États-Unis, vous prenez les grosses boîtes qu'il y a, il y a Amazon, Apple, enfin on les connaît toutes, mais on n'y pense pas directement, Google et tout, bref, Microsoft, Samsung, tout ça, c'est que des boîtes tech, ok? Et je me dis, mais en France, en fait, comme aux États-Unis, ils ont, je sais pas, 10, on dit 10 ans, mais en vrai, ils ont beaucoup plus d'années d'avance. Bah, pourquoi pas créer une boîte tech à 100 millions? Voilà, j'ai résumé cette chaîne. En gros, 0 à 1M, agence de com ou de création de site, ce que vous voulez. Avec ce M, je me sécurise et ça me permet de. J'ai vraiment fait ça. Bref, 0 à 1M. Oh là là, putain, c'est n'importe quoi. C'est donc si dur de créer du contenu? Moi qui pensais que j'étais chaud, je me confronte à la réalité. Je suis qu'une merde. Mais bref. De 0 à 1 million, je vais faire ça avec une agence de com et de création de site internet. Ensuite, comme je sais que je me répète, mais il faut bien se répéter, ce million-là, à 5% d'intérêt par an, 50K, on enlève les impôts, ce que vous voulez, il me reste grosso modo, je sais pas, 2005, ce que vous voulez. Ça me permet de consacrer tout mon temps, parce que j'aurais besoin que de temps, pour créer mon premier SaaS, ok? Et j'aurai tout le temps que je veux pour apprendre à. Enfin, je vais pas dire que je sais coder, mais pour approfondir mes connaissances en développement et monter un premier SaaS. J'avais une idée de créer un SaaS pour les proprios, une sorte de Finari, mais qui permettrait à tous les propriétaires de biens immobiliers de centraliser tous leurs investissements, d'avoir un, comment je pourrais dire ça, un suivi mensuel des loyers, des impayés, des taxes, tout ça. Mais bon, on m'a dit qu'il existait déjà. Mais bref, ça. On s'en fout, c'est pas le plus important l'idée de ça pour l'instant. Pour l'instant, c'est de monter de 0 à 1M avec une agence de com. Et je vais le faire bah, en public. Je vais construire cette agence de com là, sous vos yeux. Je vais m'inspirer un peu de Théo Lyon. En fait, cette chaîne, ça va être un mix de Théo Lyon, Alex Hormozzi et Finari. Voilà, j'ai tout résumé. Du coup, bon, bah, première vidéo, c'est pas un garage, mais. Voilà, et vous inquiétez pas, pour la suite, ce sera mieux fait. Voilà.